Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur l'île de Lifou en Nouvelle-Calédonie pour ceux qui connaissent. Je suis sur une des îles paradisiaques, une des îles Loyauté. Alors là je suis à l'intérieur du camping car en fait dehors il y a énormément de vent. Du coup c'est pas possible de filmer en extérieur, je me serais bien mis au-dessus de cette plage paradisiaque juste derrière. Mais c'est un peu trop compliqué vraiment pour filmer avec le drone ou filmer tout simplement avec ma caméra pour le son. Alors ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur le voyage, sur la thématique bien sûr spécialisée Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie, Nouvelle-Calédonie, Tasmanie. Mais je fais de plus en plus de vidéos sur l'auto-entrepreneuriat, sur la liberté, sur le digital nomade. En effet finalement les voyages, le monde du digital nomade, l'entrepreneuriat, tout est relié, c'est signe de liberté. Alors il y a énormément de backpackers qui suivent mon projet à travers le monde, vous êtes quasiment 100 000 personnes sur tous mes réseaux, donc c'est un gros réseau. Tous les jours je reçois en moyenne entre 10 et 40 messages, on ne se rend pas forcément compte derrière cette caméra, entre les snapshots, Instagram, les pages Facebook et les différents groupes. Et souvent c'est la même question qui revient, mais Damien, j'aimerais vraiment partir, voyager en sac à dos, partir à l'aventure, mais je n'ose pas le faire, ou je suis pris dans un engrenage, je ne peux plus vraiment partir, etc. Et moi je réponds souvent à ces gens-là, il faut arrêter de se trouver des excuses, il faut arrêter de se trouver finalement des raisons de jamais vouloir partir. Alors bien sûr, partir voyager n'est pas une finalité, mais par contre on va pas se cacher, le voyage ça fait rêver quasiment tout le monde, de partir sur des plages paradisiaques, partir à la montagne. Il faut pas faire de sa vie un voyage, c'est pas du tout l'objectif. Ce que je suis en train de vous dire par là, c'est qu'en fait, faites les choses et allez au bout des choses. Et le temps, une vie c'est très court, en fait on va vivre quoi, 90 ans en moyenne, c'est plutôt l'espérance de vie. J'ai atteint concrètement 30% de ma vie, il faut être réaliste, il faut voir la réalité en face. Et souvent c'est le même discours, ouais mais plus tard je vais faire ça, plus tard je vais faire ci, je vais attendre la retraite. D'ailleurs j'en ai parlé récemment dans une vidéo, justement je vous explique pourquoi il ne faut pas attendre sa retraite. Donc il y a plein de gens qui m'envoient des messages, mais Damien tu vis une vie de rêve, tu es un blogueur professionnel, tu fais partie de ces rares blogueurs, voyageurs professionnels. Mais j'ai envie de vous dire, mais tout ça vous pouvez le faire, c'est juste du travail, c'est juste du temps passé derrière votre écran, c'est juste de l'argent que je gagne. Mais cet argent il tombe pas du ciel, je reçois pas des dons, j'ai pas gagné l'euro million, je travaille dur pour ça, je partage des liens d'affiliation et c'est comme ça que je gagne de l'argent. Et c'est pas autrement, il y a des sponsors qui me payent aussi pour poster la publicité, mais c'est avec le temps et c'est avec le travail. Mais il y a un point très important, c'est que ce qui revient souvent c'est genre t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance, tu voyages, t'as raison, profite. Moi je ne peux pas le faire. Et ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais vous pouvez le faire en fait. Tout est possible. J'ai rencontré des gens qui veulent vendre en fait leur business en France et de repartir de zéro. Donc je pense à cette personne qui m'a reçu à Lille avec une boulangerie, elle veut revendre sa boulangerie, donc elle se reconnaîtra dans cette vidéo, elle s'appelle Constance. Je pense à un photographe professionnel que j'ai rencontré lors du salon du tourisme où pareil, lui il veut vendre sa maison, il veut repartir de zéro. Et en fait, il a envie de recommencer une nouvelle vie. Donc là, dédicace à Loïc. Il y a plein de gens qui ont plus de 30 ans qui ne peuvent plus faire le visa vacances-travail. Mais tout est possible. Vous pouvez bien sûr repartir de zéro à n'importe quel moment de votre vie. C'est pas parce que vous avez des gosses, c'est pas parce que vous avez un crédit, c'est pas parce que vous avez un job. Vous pouvez toujours recommencer de zéro. Arrête de rêver ta vie. Vis vraiment la vie qui t'intéresse. Si pour toi la vie, c'est voyager, c'est explorer, c'est toujours avoir un pied à terre dans le monde et toujours voyager, fais-le. Il y a plein de gens finalement qui se cantonnent à 5 semaines de vacances par an. Mais comment tu veux découvrir, comment tu veux réaliser tes rêves avec 5 semaines de vacances par an? C'est pas possible. Donc moi j'ai mis tout en œuvre pour justement avoir une liberté. Parce qu'à la base moi je suis ingénieur logiciel où je gagnais plutôt très bien ma vie à Paris. Où voilà je faisais du débugage sur des logiciels Java. Et je me suis rendu compte que finalement 5 semaines de vacances par an c'est juste pas possible. C'est juste quand finalement tu as l'impression d'être emprisonné, d'attendre tout le temps. Ce moment où en fait tu vas avoir tes vacances, alors tu vas avoir en gros un mois de vacances par an et tu pourras jamais profiter vraiment de ta vie. Tu pourras jamais réaliser tes rêves. Va au bout des choses. Fais en sorte justement d'avoir cette liberté. Cette liberté elle a un prix. Cette liberté elle est actuellement là où je suis sur l'île de Lifou, une des îles paradisiaques. Parce que je me bats, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Ça tu peux le faire. Les gens souvent ils se préoccupent du futur, ils se préoccupent de l'avenir. Plus tard je vais faire ça, plus tard je vais faire ci. Le problème c'est qu'en fait on n'est pas immortel. Le problème c'est qu'on peut mourir à n'importe quel moment. La vie peut s'arrêter, peut basculer. Je pense à ce joueur de tennis qui avait à peine 24 ans, qui est décédé il y a une dizaine d'années. En fait il faut que tu comprennes que tu n'es pas immortel dans la vie. Tu peux malheureusement mourir à n'importe quel moment, d'être atteint d'une grave maladie, tu peux te faire faucher, tu peux être au mauvais endroit au mauvais moment. Ne repousse pas les choses au lendemain, ce que tu peux faire aujourd'hui.
tu peux acheter ton billet dès demain et prendre l'avion. Souvent les gens ils disent ah ouais t'as de la chance de voyager, je vais faire ça, je vais partir en week-end. Et en fait les gens ils partent jamais en week-end, ils partent jamais en voyage. Ils subissent leur vie. Alors tu peux le faire, tout est accessible. Avec internet, tu mets un peu d'argent de côté. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour partir voyager. Le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu peux être maître de ta vie. Mais par contre, travaille dur pour ça. Fais en sorte que tu puisses faire tout ça. Que tu puisses avoir la liberté que tu as toujours rêvé de faire. Tu peux le faire. C'est juste que c'est un gros travail sur soi. C'est un changement dans ta vie qui se fait au fur et à mesure. Si tu as des enfants, c'est plus dur, mais tu peux le faire. Si tu as un crédit, tu peux le faire. Si tu as un boulot, tu peux lâcher ton boulot et tu peux le faire. Tu peux toujours le faire. Il y a beaucoup d'expatriés en Australie, beaucoup d'expatriés en Nouvelle-Zélande, des expatriés en Nouvelle-Calédonie. Il y en a énormément. Il y a énormément de gendarmes ici qui travaillent, des profs, des médecins. Ces gens-là, ils ont décidé de tout basculer. Je pense à un prof de maths qui m'a reçu à Yengens en Nouvelle-Calédonie, où en fait, bah voilà, avec sa femme, en fait, il parcourt le monde comme ça en tant que gendarme. Donc en fait, vraiment, tu peux le faire. C'est juste que tu n'as pas envie de le faire parce que tu n'oses pas le faire. Mais fais-le. Il y a un point aussi très important, c'est « Ah, j'ai pas envie de le partir parce que Pierre-Paul Jacques. » En fait, il y a énormément de personnes qui veulent vivre à travers les autres. Mais vivez pour vous avant tout. Prenez les décisions avant tout pour vous. Si vous, votre délire, c'est de partir voyager, si vous, votre délire, c'est d'explorer le monde, arrêtez de faire plaisir à papa, maman, à cousin, cousine, à copain, copine. Faites-le. Faites-le pour vous. Quand vous explorez, quand, quand je suis au milieu des cascades, quand je suis au milieu en fait, des plages paradisiaques, je le partage en vidéo, mais je le fais avant tout pour moi, parce que plus tard ce sera trop tard, parce que plus tard je serai mort, parce que plus tard justement je ne pourrai pas le faire, parce que je ne serai pas en bonne santé, parce que ça se trouve j'aurai de l'arthrose, je serai vieux, c'est ça en fait le message que j'ai envie de te faire passer. En fait ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'en fait l'immortalité ça n'existe pas, peut-être dans certaines religions et que je respecte vraiment, mais globalement pour moi quand tu seras mort, tu seras mort, il n'y a pas de message. Tu seras mort, tu ne pourras plus vivre l'instant présent. Moi, demain, je peux perdre l'usage de mes jambes. Moi, demain, je peux t'atteindre un cancer. Je peux tout simplement perdre la vue. Aujourd'hui, voilà, j'ai la chance de pouvoir marcher, j'ai la chance de pouvoir voir, j'ai la chance de pouvoir écouter. Mais toutes ces choses-là, elles ne sont pas acquises. En permanence, moi, je m'en mets en question. Est-ce que ma vue, elle est bonne? Est-ce que mes dents sont bonnes? Est-ce que mon ouïe est bonne? Est-ce que mes jambes sont bonnes? Il y a de l'usure derrière, il y a forcément de l'usure. J'en profite à l'instant présent. Et vraiment, le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, arrête de repousser au lendemain. Arrête les bêtises. Franchis le cap, fais-le. Tout ça, c'est parce que... Tout ça, c'est pas arrivé par hasard. C'est parce que j'ai travaillé dur. Alors toi, t'es peut-être pas blogueur professionnel, mais t'as peut-être une activité qui te permet en fait de travailler en ligne ou tout simplement faire des petits boulots. En Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français. Tu peux travailler ici en toute légalité. Tu peux travailler dans un tas de pays en tant que français, tu peux t'expatrier, il y a un tas de visas, on a la chance d'être français, on a la chance d'avoir un passeport qui nous permet de voyager à travers le monde. Il faut arrêter de trouver des excuses, c'est maintenant et c'est pas demain. N'hésitez pas donc à réagir à la fin de la vidéo, à mettre un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, j'en suis sûr, il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de me suivre sur Snapchat ID Osani0. Salut les amis.